Est-ce que vous m'entendez bien? Plus ou moins. C'est sûr qu'avec la tondeuse à côté, là, je m'excuse. Là, Jérôme, on s'était pas cédulé comme ça. Test de micro. Est-ce qu'on entend quelque chose? Oui? C'est parti. Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal en ce lundi 3 juillet à 19h au Parc des Fleurs du Golfe. Considérant que le Conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur, en présence de M. Jean-Philippe Lemieux du district 1, Mme Christiane Auclair du district 2, M. Jean-Philippe Mathieu du district 3, M. Alain Dufresne du district 4, M. Louis-Georges Thomassin du district 5 et M. Charles Durocher du district 6, formant quorum sous la présidence de la mairesse, Mme Juanita Daniele, en présence de la greffière, Mme Maud Simard, ainsi que le directeur général, M. Marc Proux. Mme la mairesse, vous pouvez ouvrir la séance. Oui, merci. Alors, ouverture de la séance. Il est maintenant un peu dépassé 19h, 19h02. L'adoption de l'ordre du jour, alors c'est tel quel, sans aucune modification, on va passer au vote. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 juin 2017 et de la séance extraordinaire du 19 juin 2017. On passe au vote pour l'adoption de ces procès-verbaux. Pour. Pour. Pour également. Pour. 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 Adoption des comptes, le lot 07-2017. Monsieur Thomassin, je vais vous laisser expliquer un petit peu quels sont les gros enjeux de ce mois-ci. Disons, les gros enjeux de ce mois-ci, il n'y a pas de gros chèques comme tel, c'est tout du fonctionnement régulier. Sauf qu'à titre d'information, par exemple, Québec multiplan, projet reboisement Sainte-Brigitte. La commande d'arbres, si on veut, était au montant de 14 536,18 et 50 % de ce montant-là était payé par les citoyens et 50 % par la ville. Ensuite, au niveau du chalet des sports... J'aimerais juste spécifier, oui, par la ville, mais on avait aussi une subvention du député. Exact. Et puis, au niveau du chalet des sports, il y a eu... une mise à niveau du chalet des sports qui a été faite par PIC Construction pour un montant de 19 136,12 et aussi au niveau du terrain de balle. Pour rendre le terrain de balle comme tel, c'est un terrain initialement qui était pour le softball et pour le rendre conforme, si on veut, pour baseball de niveau Pee-wee, il a fallu déplacer, si on veut, un poteau d'éclairage pour agrandir, si on veut, le terrain comme tel. Et le coût, naturellement, il y a eu le déplacement du poteau et tous les raccordements électriques. Et le montant a été de 7 467,63. À part ça, je n'ai pas autre chose au niveau des comptes, rien de particulier. Alors, on va passer au vote pour l'adoption des comptes de ce mois-ci. Pour. 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 Alors, bonsoir et bienvenue à cette deuxième séance du Conseil municipal qui se tient à l'extérieur. On est très content d'avoir les jeunes qui jouent en arrière. On n'avait juste pas prévu la tondeuse, mais c'est sûr qu'avec la pluie qu'on a ces derniers temps, bien, quand il y a une petite éclaircie, on en profite. Lors de la dernière séance, j'avais promis un suivi pour les gens qui habitent le secteur de la phase 4 du domaine Sainte-Brigitte sur le Golfe. Alors, ce soir, je vois qu'il n'y a personne qui est là parce que notre conseiller municipal, M. Mathieu, a bien fait sa job, comme on peut dire. Il a contacté les gens pour leur faire un suivi. Donc, le dossier, oui, est judiciarisé. Toutefois, les procureurs se parlent. Dans ce dossier, on a bon espoir que des travaux soient effectués dans les meilleurs délais.
Entre-temps, la Ville a pris quand même l'initiative de niveler la rue parce qu'il pleut beaucoup, puis il pleut très fort, donc beaucoup de trous. Et on veut épargner des réparations automobiles à ces gens-là. Alors, on s'est dit qu'on allait effectuer des travaux au moins à ce minimum-là. Et M. Mathieu continue de suivre le dossier de près pour tenir les citoyens du secteur informés. Maintenant, c'est l'été. L'été, d'habitude, ça commence avec les festivités de la Saint-Jean-Baptiste. Je tiens à féliciter de la Saint-Jean-Baptiste, plutôt la fête nationale. Excusez, c'est des vieilles pratiques. Hein? C'est, dans mon temps, on appelait ça de même, la Saint-Jean-Baptiste, mais là, c'est la fête nationale. Alors, je tiens à féliciter le comité organisateur puis le service des loisirs pour l'organisation de cette journée-là, qui, malgré la pluie, a été quand même un succès. Ça s'est terminé avec le spectacle de Jonathan Pinchot, qui a semblé bien apprécier Sainte-Brigitte parce qu'il est parti, semble-t-il, très, très tard dans la nuit. Alors, c'est ce que j'ai su entre les branches. Moi, je me suis couchée de bonne heure, mais lui, ça a l'air qu'il a veillé avec les gens d'ici. Puis, c'est juste pour vous dire comment on apprécie hein, la chaleur des gens de Sainte-Brigitte, malgré le froid. Et justement, le service des loisirs va lancer au courant de la semaine, toujours dans le but de mieux servir la population et desservir au niveau des loisirs la ville. On va lancer un sondage sur les activités et les événements qui vous sont offerts. Donc, le service des loisirs souhaite savoir si ça convient à la population, ce qui est déjà offert, ou s'il y a des nouvelles suggestions, des nouvelles idées. Alors, on est toujours ouvert à prendre ces idées-là en compte. La semaine dernière, j'ai participé à la dernière séance du conseil de la MRC, dernier conseil avant les vacances de l'été. Il n'y en a pas en juillet, on prend relâche en juillet. Et ce que je peux vous confirmer, c'est que la Ville de Sainte-Brigitte, le marché public, a reçu une subvention de 3 500 $ pour tenir le marché public. Et en plus de ça, on va avoir de la publicité pour les trois marchés de la Jacques-Cartier. Cette publicité-là, ça va être un petit peu sous le même principe que le marché de Noël, c'est-à-dire c'est une publicité radio qui va être faite tout au long de l'été, tout au long des marchés publics. Je pense que Jean-Philippe va vous en parler un petit peu, mais je sais que le marché public, cette année, vous réserve de très, très belles surprises et j'ai bien hâte de vous y rencontrer. Alors, je souhaite un très bel été à tout le monde. Je souhaite que le soleil se pointe le bout du nez pour les vacances, surtout pour les jeunes. Là, hein? On a plein d'énergie, puis on a besoin que ça sorte, puis on a besoin aussi que les jeunes sortent jouer dehors. Alors, bon été, puis au plaisir de vous rencontrer dans les parcs puis dans les événements là, qui se déroulent tout au long de l'été à Sainte-Brigitte. Merci. Merci, Mme la mairesse. Écoutez, j'espère qu'on va être capable de finir notre séance sans pluie. Je pense que oui. Ouais. On a un ciel un petit peu menaçant, mais on devrait être bien. Depuis le dernier conseil de ville, j'ai assisté à une rencontre du comité consultatif en environnement et développement durable. Et puis, cette réunion s'est tenue là, la semaine dernière, le 27 juin. On en a profité de cette séance-là pour un peu faire le point de la demi-année et mettre à jour là, les projets en cours, puis avoir un suivi de tout ça. Donc, au niveau de la demande de subvention, afin de se doter d'un plan stratégique de développement durable. Donc, vous savez qu'on se fait accompagner par une firme, la firme Action Environnement. Donc, ce dossier est en cours. On s'attend avant la fin de l'été d'avoir un rapport et puis là, qu'on puisse faire la subvention au plan, à la FCM, la subvention, c'est le plan municipal vert. Oui. C'est ça. Hein? Voilà. Donc, à la fin de l'été, on va pouvoir engendrer ce dossier-là. Il y a également, pour suivre un petit peu du service de l'aménagement du territoire, la section environnement. Vous savez, cet été, la ville a engagé deux étudiants pour des éco-patrouilles. Et
Ces étudiants-là, font beaucoup de travail, en fait, sur la sensibilisation auprès des citoyens en ce qui a trait à des dossiers environnementaux, comme par exemple l'Éco-Patrouille qui a procédé à l'analyse des bacs verts et bacs bleus également lorsqu'ils sont au chemin. Et puis, c'est vraiment au niveau de la sensibilisation. Hein. Il n'y a pas d'amende, il n'y a pas d'infraction quelconque. Donc là, les gens, ils sont là pour sensibiliser la population. Vous savez, les bacs à vidange, les bacs verts, là, c'est une dépense ça, pour la ville. C'est au poids, puis ça coûte de l'argent. Alors que le bac bleu, la récupération, c'est des revenus pour la ville. Donc, il faut faire en sorte que les gens, collectivement, qu'on se prenne en main, puis qu'on ait une gestion vraiment efficace, puis éco-citoyenne là, de nos vidanges. Alors, c'est important, ça, pour l'avenir. D'ailleurs, il y a un projet pilote qui s'en vient l'année prochaine au niveau du compostage puis la collecte de résidus là, putrécibles, le fameux bac brun. Là. Et à ce niveau-là, je vous inviterai à remplir le sondage qui est disponible sur le site web de la Ville pour savoir votre avis. Comment vous aimeriez que la Ville fasse cette collecte-là? Comment vous verrez ça? Donc, il y a plusieurs questions là-dessus. On veut vous sonder. On veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Puis, afin, justement, d'avoir le projet pilote, parce que dans un avenir très rapproché, ça va être obligatoire, hein, ça. Il faut que la ville se dote de moyens pour vraiment là, gérer les matières putrécibles. Également, le service d'aménagement du territoire, encore une fois, de l'environnement, côté environnement, cette année, là, ils font un suivi très, très, très serré des installations septiques autonomes là, sur notre territoire. En fait, on veut que l'ensemble du territoire, là, on veut s'assurer que collectivement, on ait des installations septiques conformes, qui ne polluent pas notre eau. On veut ça pour la qualité, bien sûr, la qualité de, simplement des puits et des voisins autour, mais pour la pérennité là, de l'eau potable à Sainte-Brigitte-de-Laval. Donc, il y a un suivi qui est très, très serré. Si vous avez des installations qui sont non conformes, à ce moment-là, vous allez recevoir une lettre et puis vous allez être obligé de vous conformer pour ne pas polluer notre eau. On a toute de l'eau de puits à Sainte-Brigitte, même... Même sur l'aqueduc, là, c'est de l'eau de puits. Donc, ça vient sensiblement de la même place. Et puis, il faut vraiment en prendre soin. Et voilà, nous, on veut, à Sainte-Brigitte-de-Laval, être sévère à ce niveau-là pour qu'on s'assure là, d'avoir l'eau pour l'avenir, pour nos enfants, nos petits-enfants, etc. Donc, sur ça, je vous souhaite un très bel été, puis avec du soleil, hein, de préférence. Donc, on a eu en masse de pluie, là, mais c'est le temps du soleil. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonsoir à tous. Ce soir, comme suivi, j'en ferai un sur le comité consultatif d'urbanisme. Tout à l'heure, je vais vous faire la présentation de deux PIA sur les contraintes visuelles. Ensuite, deux dérogations mineures et deux PPC moi qui découlent d'une consultation publique qui s'est tenue la semaine passée. Et j'en profite également pour vous souhaiter un très bon été et reposez-vous et profitez de la vie. Merci. Bonsoir tous. Dans mes dossiers ce soir, il y avait le taxibus qui n'était pas tout à fait réglé. Malheureusement, on n'a pas réussi à trouver le financement nécessaire. Fait que ce projet-là n'aura pas lieu cet été. On pourra se revoir peut-être après la saison, comment on pourrait s'enligner pour tout cela. Beaucoup plus positif, le marché public. Je vous l'ai confirmé le mois dernier. Je vous rappelle encore les dates exactes. Le marché public se tiendra du 21 juillet au 8 septembre inclusivement, à compter de 15h à 18h30. Il y aura de très, très belles nouveautés cette année, puis surtout quelque chose de différent à chaque marché. Je vous donne un exemple. À l'ouverture, on aura des sculpteurs de ballons pour les enfants. Un peu plus tard, on aura une espèce de vélo smoothie où il faut pédaler pour faire son smoothie. On aura des food trucks, on aura des chefs cuisiniers, dont un chef que j'ai cru comprendre assez connu. Je n'ai pas eu de confirmation à ce sujet, mais je pense que ça va très bien de ce côté-là. À la fin du marché public, il y aura comme l'année passée la fameuse épluchée de blé d'Inde où tout le monde est le bienvenu. Et pour aujourd'hui, je voulais en profiter pour remercier tous les gens qui ont travaillé de près et de loin du marché public. Je voulais commencer par remercier les gens qui étaient sur le comité. M. François Bélanger, qui est un membre producteur,
M. François Bérubé, qui est un citoyen, Mme Alexandra Holden, qui est une citoyenne, Mme France Marcoux, qui est un membre producteur, Émilie Turgeon, qui est un citoyen, et Mme Pascal Ringard, qui est de la pâtisserie Le Fort. Et j'en profite aussi pour remercier beaucoup les gens de la ville qui travaillent très, très fort pour ce dossier-là, qui travaillent, comme je vous dis, très fort sur des bases très solides qui ont été créées par Mme Andréane Turcotte. Cette année, Mme Isabelle Henry a commencé le projet et une demoiselle très charmante qui est revenue à la ville cette année, Mme Sabrina Thomassin, a continué et très, 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 très bien fait ça. Alors, je vous rappelle vite, le premier marché étant le 21 juillet prochain. Alors, je vous remercie beaucoup. Une bonne soirée. Est-ce que tu vas nous transmettre ta recette de blé d'Inde? Oui, oui, oui. Ça prend un poêle, de l'eau, l'électricité. Merci. Donc, bonsoir. Bonsoir. Pour ma part, au niveau des sports et loisirs, actuellement, il n'y a pas, je veux dire, j'ai pas de nouvelles à vous annoncer, c'est que toutes les activités estivales sont débutées. Ça va de bon train. Forcément que conventionnellement, puis tout, si je vous invite à vérifier sur le site de la ville les activités qu'il va y avoir dans les parcs, exemple le cinéma en plein air ou toutes les activités dans différents parcs, juste les vérifier, puis jeter un coup d'œil. Ce qui vous intéresse, bien, vous allez être les bienvenus. Par la suite, je mettrai l'emphase sur le point que Mme la mairesse a mentionné tantôt. Au niveau de vos suggestions pour les activités à lesquelles on n'a peut-être pas ou on n'a pas l'emphase dessus, bien, ça sera plaisant de travailler avec vous autres pour réussir à vous satisfaire puis à faire le sport ou l'activité à laquelle vous avez le droit, là. Maintenant, pour ma part, bien, après ça, à ce moment-là, ça va aller à la prochaine assemblée, que là, à ce moment-là, on va avoir du nouveau pour l'automne. Donc, je vais vous souhaiter des joyeuses vacances puis du soleil à volonté. Oui, à volonté. Bonsoir. Dans mes suivis de dossier, ce mois-ci, j'ai absolument rien de spécial. Mais au niveau des activités, j'aimerais souligner, féliciter M. Vincent Dubé et son équipe pour l'organisation d'un tournoi de balle qui a eu lieu en fin de semaine dernière. Samedi soir, il y avait trois groupes musicaux, si on veut, qui se sont donnés en spectacle au Chalet des sports. Et tous les profits de ces activités-là qui ont eu lieu en fin de semaine seront remis à la Maison des jeunes de Sainte-Brigitte. Et après vérification, le montant devrait se chiffrer aux alentours de 700 $. Donc, c'est très, très apprécié. Et moi aussi, pour ma part, je vous souhaite à tous un bel été et de joyeuses vacances. Et en plus, soyez prudents. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, ce soir, j'aimerais emboîter le pas un peu dans le même sens que la mairesse et féliciter l'organisation pour la fête nationale. Malgré la pluie, je crois que ça fait un agréable succès. Et je tiens aussi à remercier encore une fois pour la troisième année consécutive les participants à la scène ouverte. C'est le fun de voir qu'il y a du talent à Sainte-Brigitte. Puis je vous invite à vous faire des groupes et de reparticiper pour l'année prochaine, car elle sera de retour. Cet été, le parc ici sera très animé, ainsi que le parc Richelieu. Donc, je pense qu'il y a 4 spectacles au total dans le parc ici. Et 3 projections de cinéma, 2 ici, 1 au parc Richelieu. Donc, je vous invite à surveiller votre petit carton ou que vous avez eu dans la poste ou le site web de la ville. Et je ferai comme tout le monde en vous souhaitant une très belle été. Bien, merci tout le monde. Est-ce que je suis assez proche? Un très bel été, il me semble. Un très bel été, oui. Ouais. J'osais pas te reprendre, Charles. On y a tout pensé. Mais... Qu'elle soit féminine ou masculin, fait frite. Bon. Alors, on a un dépôt de procès-verbal de correction, le PVC-007-17. Il s'agit de coquilles qui ne changent en rien le sens des résolutions. Maintenant, dans la section avis de motion, je vais laisser la parole pour le premier avis de motion à M. Thomassin. OK. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement 808, réunion 17, c'est-à-dire règlement décrétant une dépense et un emprunt de 487 000 $ pour
pour l'acquisition d'un camion de service, d'un camion et ses équipements de déneigement, d'un mini-chargeur sur roue et ses équipements, et le tout remboursable sur une période de 10 ans. Conformément à la loi, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne avis qui sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal, un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 487 000 pour l'acquisition d'un camion de service, d'un camion et ses équipements de déneigement et d'un mini-chargeur sur roue et ses équipements remboursables sur 10 ans. Et le règlement 808-17 est déposé aux membres du conseil municipal. Merci. Oui, c'est nouveau. Maintenant, les projets de règlement sont déposés au conseil municipal en même temps que l'avis de motion. C'est une des conséquences de la loi 122. Alain? Donc, avis de motion et dépôt du projet de règlement, le règlement 809-17, règlement décrétant une dépense et un emprunt de 180 000 $ pour effectuer des travaux correctifs pour l'écoulement des eaux pluviales remboursables sur 5 ans. Conformément à l'article 356 de la loi des cités et villes, je donne avis qu'il sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 180 000 $ pour effectuer des travaux correctifs pour l'écoulement des eaux pluviales et ce, remboursable sur 5 ans. Puis le projet de règlement est déposé également au conseil municipal. Point 10. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement 810-17. Règlement abrogeant le règlement 800-17 relatif à l'acquisition de véhicules et l'affectation de la somme de 447 000 des sols disponibles de divers règlements. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne l'avis qui sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal un règlement abrogeant le règlement 800-17 relatif à l'acquisition de véhicules et l'affectation de la somme de 447 000 des sols disponibles de divers règlements. Le projet de règlement 810-17 est déposé au conseil municipal. Juste une petite précision, ça a l'air de deux avis de motion qui sont similaires, mais ce qu'il faut comprendre, que dans un premier temps, il y avait eu un règlement 800-17 au montant de 447 000. Okay. Suite aux appels d'offres, ben, les montants étaient plus élevés que le 447 000. Donc, l'avis de motion qu'on vient de mentionner, on abroge ce règlement-là et le règlement qui va être en vigueur, ça va être le règlement 808-17, mais au montant de 487 000. Donc, c'est la petite précision là, concernant ces deux avis de motion-là. Parfait. Merci, Louis-Georges et Alain. Alors, on va passer à l'adoption de règlement. On adopte le règlement 807-17 qui décrète la tenue et le déroulement des séances du conseil municipal, remplaçant et abrogeant le règlement 742-14. Il y avait eu un avis de motion le 12 juin 2017 et ce règlement-là a été offert en consultation à la mairie 2 jours ouvrables avant la séance d'aujourd'hui. Et ce règlement-là vient spécifier le lieu où doivent se tenir les séances extraordinaires du conseil municipal. On passe au vote. Pour. Modification de l'article 5.2 de la politique POL 008-14, qui est la politique de remboursement des frais et des dépenses remplaçant et abrogeant toute politique à ce sujet. Donc, je vais vous lire plus précisément la modification. Il s'agit du calcul de la distance représente le nombre de kilomètres réellement effectués. Donc, auparavant, on calculait le nombre de kilomètres effectués à partir toujours de la mairie, ce qui pouvait faire en sorte que parfois, quelqu'un qui part de chez eux le matin et se rend, par exemple, à un point où il doit suivre une formation, fasse moins de kilométrage que si on le calcule à partir de la mairie. Donc, c'est notre greffière qui a trouvé la petite faille et
cette modification-là avantage la ville. Alors, on va passer au vote. Vote pour. Alors, la section urbanisme, on a une bonne section urbanisme ce soir. Je vais laisser la parole pour les points suivants à Mme Auclair. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Donc, comme premier point, nous avons un PIA sur les contraintes visuelles. Ça concerne le 416 avenue Sainte-Brigitte, c'est-à-dire le restaurant Le Lavallois. Donc, il a demandé un permis pour rénover son bâtiment. Et il doit, à cause de sa localisation dans le cœur villageois, il doit passer par un PIA. Donc, il y a eu une analyse au CCU qui a été faite. Et voici les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme. Afin d'accepter la demande de PIA pour la rénovation de cet immeuble en zone mixte, dont les travaux sont visibles de l'extérieur, conformément aux documents soumis au CCU le 20 juin 2017, le CCU recommande d'accepter le PIA selon les conditions suivantes. Le treillis sous la terrasse devra être remplacé par un recouvrement de bois traité brun ou de cèdre ajouré à l'horizontale. Et d'ici l'émission du permis de rénovation, déposer un plan d'aménagement paysager incluant au minimum l'installation de boîtes à fleurs permanentes. Donc, c'est toujours au niveau de l'esthétisme que les conditions ont été ajoutées. Donc, il est résolu d'autoriser la demande de PIA pour la rénovation de cet immeuble selon les conditions dont je viens de vous parler. Donc, je demande le vote. Pour. Le second PIA, encore en contrainte visuelle, concerne un bâtiment situé au 107 rang Saint-Léon, de l'autre côté de la rivière. Donc, c'est pour déplacer un bâtiment, un chalet existant sur le même terrain. Donc, selon l'analyse du CCU, le CCU recommande au conseil d'accepter ce PIA sans condition, simplement de déplacer le bâtiment. Donc, je demande le vote. Je vote pour. Un troisième PIA concerne la rénovation d'une maison située au 26 rue de la Fabrique. Donc, c'est situé dans une zone mixte. Que le CCU a analysé la demande selon les plans déposés et que le CCU recommande au conseil d'accepter ce PIA à la condition suivante, que la fondation devra être peinte selon un ton gris s'harmonisant à la façade de pierre qui est conservée, parce qu'on avait proposé de peindre les fondations en noir. Donc, au niveau de l'esthétisme, le CCU recommande au conseil d'accepter cette condition. Donc, je demande le vote. Pour. Le quatrième PIA concerne simplement c'est un PIA qui avait déjà passé au conseil, qui avait été accepté. Les propriétaires ont voulu changer le parement extérieur. Donc, il devait repasser au CCU. Le CCU a considéré que c'était très joli. On recommande au conseil d'accepter aussi ce PIA qui est situé au 10-19 avenue Sainte-Brigitte. Pour. Pour. Pour également. Nous avons deux demandes de dérogation mineure qui concernent l'implantation de garages isolés. Donc, un qui est situé sur la rue des Trilles et le deuxième qui est situé sur la rue de la Triade, au 79 rue de la Triade et au 12 rue des Trilles. Donc, selon la bonne foi des propriétaires, ces gens se sont aperçus que l'implantation de leur garage avait été faite
en contravention au règlement de zonage. Et lorsqu'on veut refinancer son bâtiment, bien, si on n'est pas tout à fait conforme, on doit absolument demander une dérogation mineure pour obtenir un nouveau financement. Donc, c'est le cas ici dans les deux dossiers. Donc, le premier, 12 Détril, cette demande vise à rendre réputée conforme une superficie de garage détachée dont la superficie est de 73 mètres carrés au lieu de 65 mètres carrés. Donc, le CCU recommande au conseil d'accorder cette dérogation mineure. Je demande le vote. Eh bien, Madame la mairesse et Madame Auclair, j'accepte. Je vote pour. Pour. La demande de dérogation mineure du 79 rue de la Triade, cette demande vise à rendre réputée conforme l'implantation d'un garage détaché situé à 0,92 m au lieu de 1 m de la ligne latérale droite de la propriété. Donc, le CCU recommande au conseil d'accorder cette dérogation mineure. Je demande le vote. Je vote pour. Pour. Donc, nous avons deux PPC moi. Ce sont des projets particuliers. C'est une nouvelle, des nouveaux règlements que la Ville a adoptés. C'est une forme de règlement discrétionnaire qui s'accorde au mérite des projets déposés. Donc, on a tenu des consultations publiques, une consultation publique pour ces deux projets. Et je vous fais part ici de la... du résultat. Donc, le premier PPC moi, c'est d'accorder un permis de construction pour un immeuble à 3 logements et une dérogation à la marge de recul pour l'immeuble situé au 393 avenue Sainte-Brigitte, en vertu justement de notre nouveau règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Considérant que la demande d'autorisation de ce projet particulier vise à accorder le permis de construction pour un immeuble de 3 logements, considérant qu'il s'agit d'un projet admissible selon notre règlement, considérant que la demande vise à autoriser l'ajout de l'usage H4 comprenant 3 logements et plus, considérant que la demande d'autorisation vise à autoriser un usage résidentiel dérogatoire dans une zone mixte, considérant que le projet s'intègre bien au terrain en termes d'implantation, que la demande d'autorisation a fait l'objet d'une étude par le CCU, considérant aussi qu'il a passé en consultation publique et qu'il n'a eu aucune objection à ce projet. Il est résolu d'accepter ce PPC moi, c'est-à-dire que le règlement, juste un petit moment, que la marge de recul avant dérogatoire soit à 4 mètres, alors que dans la zone M10, la marge de recul minimale est de 7,62 mètres. Et ça, c'est toujours en accord avec... notre concept d'aménagement du cœur villageois, où on veut rapprocher les bâtiments à la rue. Est-ce qu'on a juste un petit moment? Je m'excuse, parce qu'on n'est pas encore très familier à l'adoption de ces règlements. Que le nombre de logements soit restreint à 3. Que le terrain soit déblayé afin que l'immeuble soit construit au même niveau que la rue, que le stationnement soit situé en cour latérale, que le terrain soit revégétalisé en bordure de l'aire de stationnement et des trottoirs, que plus de 24 % du terrain soit aménagé en superficie végétale et que 3 arbres soient plantés, dont au moins un en cour avant, que plus de 42 % du terrain soit conservé en superficie naturelle, que l'éclairage extérieur soit sobre et à l'échelle du piéton. Donc, le CCU recommande au conseil d'accepter ce PPC moi. On demande le vote. J'accepte. Pour.
Le deuxième PPC moi concerne un changement d'usage pour l'immeuble situé au 244 avenue Sainte-Brigitte. Considérant que la demande d'autorisation d'un projet particulier vise à accorder un changement d'usage pour un immeuble situé au 244 avenue Sainte-Brigitte, que la demande vise à reconnaître un usage dérogatoire existant, non protégé par droits acquis, soit l'usage écurie, dans la zone HB6. Considérant que l'usage est présent depuis 18 ans, sans occasionner de problème au voisinage, considérant que la demande d'autorisation vise à autoriser un usage dérogatoire dans une zone résidentielle et que le projet est conforme aux objectifs du plan d'urbanisme et que le projet s'intègre bien au terrain en termes d'implantation, de volumétrie, de densité et d'aménagement. Le conseil municipal avait ajouté une condition qui soit d'avoir un maximum de 3 chevaux. Lors de la consultation publique, le propriétaire a fait la démonstration que des mesures adéquates sont prises pour contrer toute pollution éventuelle de la rivière ou des puits voisins. Donc, le conseil est d'accord à retirer cette condition et de permettre de garder 5 chevaux et moins, comme partout où les écuries privées sont acceptées. Donc, le CCU recommande au conseil d'accepter ce PPC moi. Je demande le vote. Je vote pour. Pour. Merci beaucoup de votre attention. J'ajouterais, si vous me permettez, au bénéfice des citoyens, que tout ce qui est normalement présenté sous forme de PowerPoint va être disponible sur le site Internet de la Ville, vu les circonstances exceptionnelles de la séance de ce soir. Donc, les documents, normalement, devraient être mis en ligne dès demain matin pour consultation. Merci, Madame la greffière. Merci, Madame Auclair. Ça a été très clair, même si on n'avait pas d'image. Merci. Alors, dans la section trésorerie, affectation des mauvaises créances suite à l'annulation de dossiers matricules. On a 3 lots à Sainte-Brigitte qui ont été annihilés par la réforme cadastrale. Donc, ces terrains-là se retrouvent assimilés à d'autres terrains aux alentours. On ne sait pas qui en était propriétaire. Les recherches au niveau des arpenteurs n'ont pas révélé qui en était propriétaire. Il y a des sommes qui sont dues. Alors, on va effacer ces créances-là puisqu'on ne connaît pas les propriétaires des lots. Il s'agit pour le premier lot d'un montant de 10 925,93, pour le deuxième lot 2 142,69 et le troisième lot 4 607,15. Alors, on va passer au vote pour supprimer ces matricules-là de nos comptes de mauvaises créances. Pour. Annulation des soldes résiduaires de divers règlements d'emprunt. Comme M. Thomassin vous le mentionnait tout à l'heure, il y a un règlement d'emprunt qui a été modifié pour permettre justement d'aller chercher les sommes des résidus de règlement d'emprunt. Quand un projet est fermé et qu'on a utilisé moins d'argent, à ce moment-là, c'est comme si on l'avait tout utilisé parce que le MAMO considère le montant emprunté par la Ville de la totalité. Exemple, si on emprunte 1 000 000 et finalement qu'on en dépense 800, le ministère va considérer 1 000 000 quand même. Donc, on se doit de nettoyer, autrement dit, tous les règlements d'emprunt de cette façon-là. Alors, pour avoir une meilleure créance face au ministère des Affaires municipales. Alors, on va passer au vote pour annuler les résidus de règlement d'emprunt. Pour. Alors, autorisation de vente d'immeubles pour non-paiement de taxes.
Récemment, la greffière nous a présenté une liste d'immeubles qui étaient en défaut de payer ses taxes, et ce, depuis 2015 inclusivement. Alors, il y a des lettres qui ont été envoyées, mais il reste quand même certains comptes à recevoir, quand même pour un montant qui est assez considérable. Je vais nommer les adresses qui seront éventuellement présentées, les numéros de l'eau, il s'agit du lot 259-49, toujours du cadastre de la paroisse de Sainte-Brigitte-de-Laval, 255-P, 262-P, 312-10, 312-2, 5 584 837. Donc ça, c'est dans la partie, comme vous le comprenez bien, là, qui est rénovée. Le 442-P, le 256-12, le 308-11, le 312-08 et encore du cadastre rénové, du cadastre du Québec, 5 585 081. Alors, on va passer au vote pour l'affichage de ces immeubles qui doivent des sommes d'argent à la Ville. Pour. Au niveau approvisionnement, donc on annule un appel d'offres qui était spécifiquement pour l'acquisition d'un véhicule 4x4 et ses équipements de déneigement. Finalement, nous, on avait une estimation du coût à 262 000 et le plus bas soumissionnaire était à 299 993,83 et l'autre était à 304 400. Alors, on annule cet appel d'offres pour retourner en appel d'offres. On annule aussi l'appel d'offres qui concerne les travaux de réaménagement de la réception et ajout de bureaux à la mairie, puisqu'on a eu la recommandation du directeur général et du directeur des travaux publics que, finalement, étant donné que la soumission était deux fois le montant estimé, on allait tenter de s'arranger avec les bureaux dont on a à la disposition et retourner en appel d'offres à un meilleur moment, un moment plus opportun au niveau de la construction. Alors, on va passer au vote. Je vote pour. Pour également. Pour. Loisirs. Dans la section loisirs, on a deux demandes d'aide à la communauté. Une qui concerne le Club de l'Âge d'or pour un montant de 750 000 pour quatre événements majeurs, soit la partie de sucre annuelle qui a eu lieu le 5 avril 2010. C'est beaucoup, 750 000. Ah, 750 $ excusez. Merci. Ah, il aurait été vraiment content. Les événements étaient vraiment majeurs, finalement. La partie de sucre annuelle, le 5 avril 2017, la fête du printemps, le 22 avril 2017, la soirée des fêtes, le 4 décembre 2017, et la Journée internationale des aînés, le 25 octobre 2017. Alors, on passe au vote pour cette aide. Je vote pour 750 $. Oui. Merci de spécifier. Pour également. Pour. Demande d'aide de l'organisme Matinée Mère-Enfant, encore une fois, pour un montant de 750 $. Il s'agit de l'animation qui est organisée dans le cadre d'un atelier qui s'appelle Piccolo, un voyage en musique autour du monde qui vise à faire découvrir divers instruments de musique et styles de musique aux jeunes enfants. Alors, on passe au vote pour cette animation et cette aide à la communauté. Confirmation de la nomination de Mme Hélène Fortier à titre de présidente du Comité consultatif sur les arts, la culture et le patrimoine.
Le CCACP nous a recommandé la nomination de Mme Hélène Fortier. Alors, nous, on vient confirmer cette nomination par cette résolution. Je confirme. Pour. Section ressources humaines, embauche de personnel d'animation supplémentaire pour le programme de 4 jours de l'été 2017. Eh bien, la demande a été très, très forte cette année, surtout dans les 4 premières semaines. Je pense qu'on a dû réajuster le nombre de groupes, ce qui fait en sorte qu'on va procéder à l'embauche de personnel supplémentaire. Il s'agit de Mme Laurie Gagné du 26 juin au 11 août 2017, de Mme Pénélope Colin-Castonguay du 26 juin au 21 juillet, de Mme Jessica Véro du 26 juin au 21 juillet 2017. Alors, on passe au vote. Pour. Modification de l'article 60.4 du contrat traitant des conditions de travail des employés cadres CTEC-01-2017 afin de corriger une coquille. Alors, on avait à l'article 60.4, on faisait référence à d'autres articles et ce n'était pas les bons numéros d'articles. Il s'agit plutôt des numéros 60.1, 60.2 et 60.3 qu'on vient ainsi modifier avec cette résolution. On passe au vote. Pour. Autorisation pour le dépôt d'une offre de stage en récréologie. Cette année, on a un stagiaire qui n'a vraiment pas chômé avec le nombre de jeunes qu'on a au camp d'été. Alors, on souhaite renouveler l'expérience en 2018. Et puisqu'il s'agit d'une sélection qui se fait plusieurs mois à l'avance, Mme Gagnon du service des loisirs souhaite annoncer tout de suite ses couleurs à l'Université de Trois-Rivières. Donc, il s'agit d'un stage de 32 semaines du 8 janvier au 17 août 2018. Alors, on passe au vote. Je vote pour. Pour. Autorisation de signature. Alors, extinction de la servitude numéro 26853 située au 24A rue de l'Aqueduc. Il s'agit d'une servitude qui, finalement, ne sert plus à rien puisque la ville ne détient plus aucune infrastructure sur ce terrain-là. Ça a été modifié et changé d'endroit. Donc, le notaire nous demande de procéder à l'annulation de cette servitude. On passe au vote. Pour. Je tiens à préciser que les frais sont assumés par le requérant. Dans la section divers, ajout de 2 nouvelles subventions au Trèfle d'or dans le cadre du programme Accès Logis. Alors, le Trèfle d'or souhaite déposer une demande à la SHQ afin d'ajouter 2 nouvelles subventions dans le cadre du programme Accès Logis. Et pour ce faire, la Ville se doit, dans ce genre de programme-là, de subventionner à la hauteur de 10 %, ce qui représente aux alentours d'une somme annuelle pour la Ville de 1 200 $ Alors, par cette résolution, on tient à appuyer le Trèfle d'or dans sa demande auprès de la SHQ pour obtenir ces 2 nouvelles subventions dans le cadre du programme Accès Logis. Alors, on passe au vote. Pour. Autorisation de vente de gré à gré de divers biens du service des travaux publics. C'est à la suggestion des cols bleus des travaux publics qu'on a rencontré récemment lors d'un entretien qu'on a eu avec le suivi coaching travaux publics. Et ils nous ont dit on a un paquet d'équipements qui ne servent pas, mais qui pourraient servir peut-être pour d'autres, qui pourraient être revendus. Alors, on va procéder à la vente de ces équipements-là. Donc, vous verrez passer un document public à cet effet-là. Il s'agit de divers outillages, des palettes, etc. Et le petit coup de vent. On va passer au vote. Ben, je vote pour.
Dernier point, c'est un appui à la ville de Pouénégamouk. On a été sensibilisés à ce qui arrive à la ville de Pouénégamouk parce que Sainte-Brigitte, on est au cœur d'une rivière qui vit certains débordements à certains moments. On a été chanceux au cours des dernières années, il n'y a rien arrivé. Sauf que ça peut aussi nous arriver. Donc, on tient à appuyer la ville de Pouénégamouk dans ses démarches puisque ça fait autour de 20 ans qu'ils subissent des inondations qui sont répétées puis provoquées par les pluies diluviennes. Puis, malgré leurs nombreuses démarches, ils n'ont toujours pas reçu d'aide du gouvernement, et ce, à la suite des inondations de 2015. Donc, ça fait quand même deux ans qu'ils attendent l'aide, et les frais s'accumulent toujours pour eux et pour leurs contribuables. Donc, on les appuie dans cette démarche-là. On passe au vote. Je vote pour. 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 Période de questions. Alors, on n'a pas de questions. On va lever la séance. Qu'en pensez-vous? On va faire ça. Très bien. Tu votes pour? Pour. 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 Pour.